Attends que je tourne mon écran là. Là, bien sûr, la caméra se barre. Normal. Ok. Salut tout le monde. Bon, et eh bien, on va continuer ce dessin captivant.
pas tes couverts dans ton sucre orange. Oh non, c'est juste que je l'ai pas fermé. Après. À tout à l'heure. Bonne journée. Thank you.
Captivant, c'est captivant. Sarcastique bien sûr, mais... Allez la bille, roule, 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 roule. Pourquoi tu roules plus? Coincé? Eh ben va te faire foutre, hein. Je vais en prendre une autre. Hop, voilà. Thank you.
Ah, que c'est ennuyeux.
Ça réveille un peu. Salut Squeezo, dernier jour de vacances, on va pisciner toute la journée, c'est bien. Excuse-moi, j'étais parti dans mon néant de fond qui ne s'arrête jamais, qui n'est pas prêt de s'arrêter vu la surface à recouvrir. Je m'emmerde. Je veux faire mon roi de pique. Ça a l'air chiant et c'est chiant, c'est super chiant. Faut juste que je remplisse cet espace assez foncé pour que les mains claquent. Et après, il y a du texte là, c'est pour ça qu'il faut que ça soit relativement foncé et représenter quelque chose sans vraiment représenter quelque chose. Donc, c'est mon atelier, mais vraiment suggéré quoi. Enfin, c'est chiant. Chiant comme la mort. Et le pire, c'est si je le fais vite fait, ça va être dégueulasse. Donc je suis obligé quand même d'y mettre les formes. Dès que j'essaye d'accélérer un peu le pas, comme là, le derrière de la chaise, là, tout de suite, ça devient dégueulasse. Donc. De ralentir et de faire ça comme il faut. Oui, c'est chiant. Bah, ce qui est chiant, c'est que je sais ce qui attend derrière et que c'est beaucoup plus intéressant à faire. Et plus intéressant aussi pour vous à regarder. Tu peux rien faire. Bah non, non, l'idée c'est pas de cheater, hein. Je te propose des ateliers de dessin, donc l'idée c'est de faire un dessin. Justement, l'idée c'est que c'est une affiche pour promouvoir ce que je fais à l'atelier, donc l'affiche elle-même est une espèce de comment dire, de mise en bouche de ce qui va se passer là-bas quoi. On fait du tradi à l'atelier, donc je vais pas commencer à faire des affiches numériques. Où est-ce que je veux dire?
Et là, avant qu'il commence à se passer quelque chose, il se passe un certain temps du coup. Tout seul ce matin? Bah écoute, je pense que Manu va arriver à 10h parce que c'est ce que j'ai annoncé hier. Elle a pas dû voir mon message sur Discord. Je devais faire mes courses avant d'attaquer, puis en fin de compte, j'ai pas grand chose à prendre, donc je les prendrai en passant ce soir en allant chercher ma femme. C'est l'avantage de. D'être K2, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter grand chose. Ça va plus vite pour les courses. Tu vas souvent à Quimper? Non, j'y vais jamais. Pourquoi? Y a quoi à Quimper? Je vais probablement passer 2 semaines du côté de Brest et si jamais t'es chaud, on pourrait essayer de se faire un après-midi là-bas, genre 1 heure de route pour toi, 1 heure début juin. Pourquoi pas, oui. C'est à tenter. À Brest encore, donc ça sera peut-être l'occasion. Parce que j'ai regardé de là où ton atelier est à 2 heures de route. Un peu long. L'aller-retour pour la journée dans la journée. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Juste pour aller à l'atelier, c'est vrai que c'est un peu. Vous allez louer où? D'accord.
Piscine intérieure et jacuzzi, mes parents qui louent, nous on profite. Ah oui, bah oui, t'as raison. La maison a l'air sympa, hein. Je peux faire 2 heures de route. Ok, bon, on commence un petit peu à y voir plus clair, enfin plus clair, plus foncé. On commence à y voir plus foncé. C'est la formule appropriée. Bon, allez, Piscine, bonne journée et bon courage pour cet interminable fond. Merci beaucoup et d'être passé. Et puis à bientôt. Moi, je serai encore là cet après-midi à faire la même chose. Hein, si t'as envie de repasser. Là, j'essaye de vider ma tête en fait. Là, pour le coup, j'aurais des gens avec qui parler, ce serait bien. Parce que du coup, je peux parler sans vraiment avoir besoin de me concentrer sur ce que je fais. J'agrandirai pas un peu ma taille. C'est voir si je peux pas élargir un peu ma table. Ouais.
contre, il est bave, ce con. J'ai mon téléphone, je reviens. Thank you.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le boulot le plus chiant du monde. Remplir un fond juste pour pouvoir écrire du texte dessus. Au stylo, évidemment, sinon c'est pas drôle. Thank you.
Thank you.
Sur ces bureaux, il n'y a pas de place pour un 3. Passe là-haut. Ok, donc là on a tout un bazar. C'est pas trop d'importance.
Thank you.
Le Manu. Comment ça va? Recevoir la notif de Twitch maintenant que tu t'es connecté à 8h30, c'était connecté. J'étais connecté, quoi? C'est n'importe quoi. Ça va, je m'emmerde, mais ça va. Oui, ce fond est très emmerdant à faire. Donc oui, je m'emmerde. Je préférerais faire mon right click. Déjà hier, pas hier, avant-hier, pendant la coupure internet, j'ai quand même bossé un peu. Bah non, mais c'est juste que je me fais chier, donc c'est chiant d'avoir du temps à bosser puis de s'emmerder sur un truc qu'on n'a pas envie de faire. Finir 11h30 à midi, midi. Midi, midi, je mange tout seul aujourd'hui donc. Je vais essayer d'avancer le plus possible. Ce matin et cet après-midi.
Oui, j'aimerais bien reprendre mes cartes la semaine prochaine. Bon bah dis donc, c'est pas une mince affaire hein, déposer une marque. Hein. Putain, madame Martin. Déjà c'est 250 balles. Oui, je stream cet après-midi. 250 balles, et encore j'ai du bol, j'ai qu'une classe. Je suis dans la classe jeu de cartes, il y en a qu'une, il n'y a pas d'autre. Puis c'est pour 10 ans. Là, je me suis imprimé le dossier pour juste pour qu'il explique bien comment remplir le formulaire d'inscription. Puis après, il y a un délai assez fastidieux. Thank you.
Par contre, ouais, ce que je me demande encore, c'est si je dépose juste le nom ou si je dépose le logo avec, quoi. Si je dépose le logo en même temps. Faut déjà que je me fasse le nom. Parce que juste l'écrire, tu sais, d'une façon assez heroic fantasy. Parce que ce truc-là va être sur tous les paquets. Parce que c'est le nom de la collection. C'est le nom de l'univers, mais c'est le nom de la collection, donc... Donc, il y a moyen de déposer les deux en même temps. Je vais peut-être faire une pierre deux coups, quoi. Bah, juste l'écrire. Avec un lettrage un peu. Peut-être un lettrage un peu doré avec des reflets dedans et puis. Un truc qui claque quoi. Trouver une police de lettres qui est libre de droit, la transformer un peu. Un truc bien lisible. Avec un petit. Voir, faut que je trouve quelque chose, donc je pense que je vais d'abord faire ce truc là avant de le déposer. Donc je vais finir mon roi et mon as, et puis je vais dessiner ce truc là. Faut que ce soit un truc assez simple et en même temps bien. Faut que ça claque, même bien réduit sur un paquet de cartes, faut qu'on voit ce qui est écrit, tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de partir dans des trucs trop détaillés non plus, mais... Ouais, je reviens à un truc doré, avec des reflets. Des lettres assez épaisses, pour combien qu'on les lise. Un truc qui fait bam dans ta gueule, quoi, tu vois? Après, ouais, je sais pas, parce que le truc que je disais à Aurore, c'est que j'ai l'idée de faire des jeux est sortie de ma tête en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas proposer de jeu, je vais proposer une collection de cartes. Et se faire copier parce que tu fais une collection de cartes? Copier de quoi en fait? Genre, c'est des cartes de la collection et en fait, c'en est pas.
pense qu'avant qu'on arrive là, effectivement, j'aurais eu le temps de déposer le nom, le logo et le concept. Encore le concept, qu'est-ce que tu veux déposer le concept? Après, effectivement, ce qui est chaud, c'est de faire confiance aux gens qui vont faire les cartes. Parce que si de leur côté, eux, bah, ils en vendent aussi. Bah, si le nom est déposé, ils ne pourront pas copier le nom et les cartes... je veux dire, copier les dessins, ça va être chaud parce que ben, les dessins que je montre moi, ils sont dans un format 600. Donc c'est pas un format énorme. En plus, il y a la bannière dessus. Ça va être chaud de copier les dessins. Après, tu peux scanner les cartes, hein, mais... J'imagine qu'avec un bon scanner, il y a moyen de faire quelque chose. À l'heure actuelle, tout se copie, ouais, je sais bien. Peut-être à la limite en plus mettre une petite carte qui sert de certificat d'authenticité que je signe, mais ça aussi hein, faut faire une copie. Hein. Après, voilà, je n'ai pas non plus l'intention d'en vendre des 100 et des 1000, donc... enfin, des 100 peut-être, mais des 1000... j'en sais rien encore où je me situe, là. Est-ce qu'on reste sur une petite quantité, d'une petite centaine et que j'en fais pas plus, hein, et qu'on passe ensuite à la collection suivante, ou est-ce que je relance une commande dès que les 200 ont été vendus, les 200 ou les 500, j'en sais rien. Est-ce que je me fais un statut commercial pour pouvoir les vendre? Enfin, c'est encore plein de trucs où je sais pas encore. Ça va un petit peu dépendre quand même du succès du truc, en fait. Je pense qu'effectivement, si les 200 partent assez vite, je me pose des questions après. Je prends des décisions à ce moment-là, à mon avis, mais... tu sais, j'ai fait tellement de trucs où les gens étaient à fond derrière, et puis en fin de compte, il s'est rien passé quand c'était le moment. Ah, oh, ce dessin... Envoie un poster, machin, je vous reviens une copie, tu fais des posters, t'en fais une dizaine parce que t'en as quand même quelques personnes qui t'ont demandé une copie du dessin, puis une fois que le poster est à l'atelier, il n'y a plus personne qui en veut, quoi. Ok, d'accord, bon, bah... Donc bon, je vais pas m'enflammer trop vite, je vais voir où on va déjà avec ce qui va être fait. Bah, les étrangers, le problème qu'ils vont avoir, c'est les frais de port. Les frais de port vont être aussi chers que le jeu de cartes en lui-même, donc voire même plus. Donc ça aussi, il faut que je vois, parce que l'envoyer en Colissimo, on verra. Je pense qu'une enveloppe à bulle avec un accusé réception suffit pour que ça arrive en bon état, parce que c'est juste un petit paquet de cartes.
bien compacte. Donc je vais continuer tranquillement à étudier les trucs, j'ai trop de choses à lire donc faut que ça me prendra du temps. Surtout que bon, j'ai un truc assez simple, hein, c'est juste un le nom d'un jeu de cartes, donc bon, normalement c'est pas très compliqué derrière. Mais faut pas se planter parce que dès que tu veux changer, dès que tu veux rajouter, et puis c'est que pour 10 ans en plus, hein, donc allez, 250 balles juste pour 10 ans. Donc c'est vrai que ça paraît pas énorme, hein, 250 balles comme ça, mais quand tu vis du dessin, c'est une bonne somme à donner quand même. Et encore, j'ai du bol, il n'y a qu'une seule classe parce que tu rajoutes 40 balles par classe dans lequel ton produit appartient. Lire à tête reposée, bah oui, mais ouais. C'est vrai que moi, dès que j'ai du temps, c'est pour bosser, donc c'est difficile pour moi de passer du temps juste à lire un truc, quoi.
Mais bon, ça fait partie de ce que j'ai besoin de faire pour développer mon projet, donc il va bien falloir que je m'y mette. Et c'est ce que j'ai fait hier soir, mais voilà, j'ai fini que à 10h30 j'étais me coucher parce que j'avais mal à la tête, quoi. Ça m'a pris la tête pour de vrai, en fait. Mais bon, ça m'a permis d'aller me coucher de bonne heure, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ok, donc tout ça représente un petit peu le bazar qui se trouve au fond de mon atelier. Donc j'en rajoutais un petit peu histoire de rendre le truc un peu plus intéressant, parce que là sur la photo on n'a pas grand chose. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est cette ligne noire, enfin foncée, qui permet de bien découper le jeu de cartes. Ça c'est ça qui m'intéresse, donc je suis en train de reprendre ça à ma façon pour retrouver ça. Il va falloir que je rajoute de la couleur aussi, hein, parce que pour l'instant c'est tristouné, mais je vais y mettre un peu plus de couleur chaude. Pour l'instant je suis qu'au noir, mais je vais y mettre du orange et du jaune. Et du marron pour avoir un truc un peu plus sépia, moins tristouné et moins froid. Et après sur le mur, bon, on a un mur un peu plus clair parce que le mur est blanc, mais bon, il va falloir quand même teinter un peu. On a les tableaux et après c'est le plafond qui part et on voit quelques spots. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Donc faut pas que ça soit triste. Mais ouais, il faut que les cartes ressortent. Et puis là il y aura du texte. Il y aura du texte ici de toute façon, il y aura du texte là. Donc ça sera moins monotone avec le texte, bien sûr. C'est ça qui est fou, enfin c'est ça qui m'emmerde entre guillemets, c'est que je suis en train de passer des heures à dessiner un truc et pour que ce truc ne se voit pas, il faut que je passe des heures à dessiner, tu vois ce que je veux dire, parce que si je vais trop vite on va voir des trucs crado derrière et ça va attirer l'œil.
Donc, pour pas que ça soit crado, que ça soit propre, et que ça attire pas l'œil, et que ça soit juste là pour meubler le fond, je suis obligé de passer du temps à le faire. Et ça me fait penser aux mecs qui font les effets spéciaux, qui eux sont contents quand leurs effets spéciaux ne se voient pas. Les mecs, ils ont passé des heures à bosser sur un effet spécial dans un film. Et le truc est tellement bien fait que c'est passé complètement inaperçu. Et là, ils sont contents. Ouais, alors moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon... voilà, le concept est quand même là. Si tu veux que ton fond fasse juste un fond et que personne ne tique trop dessus, bah, faut passer du temps dessus pour pas qu'il y ait des choses qui attirent l'œil derrière, quoi. Le fond est juste là pour mettre le lettrage et le sujet principal en valeur. Là, en l'occurrence, ça va être beaucoup les lettrages. Bah ouais, mais c'est... Je comprends pas non plus, mais c'est pourtant comme ça. Parce que les effets spéciaux sont pas censés être là pour détourner le truc du film, quoi. Ils sont censés être là pour enrichir ce qu'il y a besoin. T'as un personnage, par exemple, qui est entièrement fait numérique parce que dans son articulation, parce que dans sa forme, c'est plus facile de le faire complètement numérique qu'avec un mec et qu'un costume. Et du coup, tu te dis, putain, mais alors le pont, les voitures, et la ville qui est au loin derrière, c'est-à-dire qu'il faut composer ça avec le mec numérique. Et bien en fait, maintenant, avec les computers qu'ils ont, etc., avec les ordinateurs et les logiciels, ça va aller plus vite de faire tout le reste derrière en numérique aussi, parce qu'ils ont déjà des modèles préfaits, etc. Et du coup, comme tout est numérique, c'est juste des calques. Et en fait, toi, tu regardes la scène et à aucun moment donné, tu te dis que tout ça, c'est numérique, quoi. Et là, ils sont contents parce que ben, ils t'ont bluffé, quoi. Ils t'ont berné. Et toi, tu t'es pas rendu compte du truc. Bon, ils ont passé des heures dessus. Et voilà, ça se voit pas. Mais le fait que ça se voit pas, c'est un compliment. Parce qu'ils auraient mal fait leur boulot. Là, on l'aurait vu tout de suite. Et puis, ça aurait détourné notre attention de ce qui se passe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends en même temps, mais... Ok. C'est un peu paradoxal. Bah oui, oui, mais c'est comme ça. On va y rajouter du marron déjà. Bon, je pouvais pas ne pas mettre d'épées parce que de toute façon les épées font partie de mon atelier. Hein. Pour l'instant, j'ai tout mon matos, il est visible à l'atelier. Un jour, on aura un grenier au-dessus du salon à Aurore et je pourrai bazarguer tout le bazar qui est dans la porte derrière. J'ai un petit coin derrière mon atelier avec une porte où il y a encore tout notre grenier dedans. Un jour, ça ne sera plus là et je pourrai mettre tout mon matos de... de bon repos, tout ça, quoi. Mes armes, mes armures, mes accessoires, tout ça, ça ira dans cette petite pièce après.
Alors, plus de place, oui, parce que là, ça s'accumule un peu et j'ai des coins de l'atelier qui sont... C'est un bordel sans nom, c'est juste un tas de trucs. Un tas d'accessoires, là, c'est un peu... Ouais. C'est un peu limite. Et à chaque fois, je me dis, c'est vrai que les gens doivent se poser des questions sur le... Et puis quand je pose la question, les gens ils sont là, bah non, ça c'est un atelier d'artiste, hein, donc c'est normal. Au contraire, bon, c'est vivant quoi, c'était là, ok d'accord. Pour beaucoup en même temps, avoir un atelier d'artiste qui est nickel, clean, bien rangé tout le temps, c'est un peu bizarre. Pour moi aussi, parce que bon, ça veut dire que tu... C'est quoi, tu travailles pas dedans? C'est quoi le délire? Mais bon, pour des gens comme Aurore, qui ne sont pas du tout de ce milieu et qui ne viennent pas, même pas à l'atelier, il faudrait que l'atelier soit rangé, qu'il sente bon, enfin tu vois. Quoi? Salut les jeunes! Salut Xeramac! Comment ça va? Il y a une sonnette. Les articles sont souvent bordiques. Alors, ce n'est pas du bordel, c'est des projets en cours qui ne sont pas encore terminés. Ça va. Je m'emmerde un peu sur ce fond, mais ça va. Donc tout à l'heure, je m'emmerdais vraiment parce que j'étais tout seul. Là, maintenant, je peux discuter un peu, donc... Je m'emmerde un peu moins. Il y a Squeezo qui est passé un petit peu tout à l'heure, donc c'est bien, je peux discuter aussi. Là-haut et fermer les volets. Je reviens. Désolé, un taré, je me casse. Hein. C'est comme ça. Mais avant que le soleil tourne et que ça tape sur la maison, je vais le fermer.
Voilà. Ouais, tu vois, déjà, il fait un légèrement plus chaud là-haut qu'en bas, déjà. Mais là, le soleil n'est pas encore devant. Nous, on est exposé plein ouest, donc à partir de 2 h, on a le soleil en pleine tronche. Donc c'est là où il vaut mieux que... Faut mieux que les volets soient fermés si on veut garder la maison fraîche. Là, j'ai réussi à la redescendre à 21, donc c'est très agréable. Ça l'est un peu moins dès qu'il faut que je sorte dehors. Là, en ces derniers temps, je travaille toute la journée, donc je me rends pas compte de la chaleur qui fait dehors. Mais dès qu'il faut que je sorte pour aller chercher Aurore ou quoi, là, c'est là que je sens que. Voilà, ce soir, normalement ce soir je suis en représentation, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'autres déluges ou s'ils ont réussi à faire en sorte que tout soit bien réparé. J'espère, parce que je vais pas, j'ai pas envie de me prendre un deuxième vent. J'étais tellement vexé de que ça soit reporté mercredi dernier que... Là, ouais, 8 h moins le quart, je suis parti. Je pense qu'il va faire encore chaud. Bon, ils ont pas prévu d'orage. C'était prévu cet orage, mais putain, je pensais pas que ça allait. On va y mettre un peu de orange aussi pour voir ce que ça donne. C'est que là maintenant, à partir de ce moment-là, que ça devient intéressant ce que je suis en train de faire. Mais tout le passage avant où je remplis avec de la couleur pour arriver à cette teinte-là, tout ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est chiant. En plus, on est sur un format A3, donc tout ça là. Oh mon Dieu. Encore là, bon, c'est rien, il se passe des trucs, c'est rigolo, tu vois. C'est rigolo, non, c'est ton copain, quoi. C'est copain rigolo, quoi. Mais, putain. Donc là, l'idée, c'est de faire un fond un peu sépia. C'est long, ouais, c'est long, c'est ça le problème, c'est que c'est long. Prendre son mal en patience. Et quand tu as un autre projet qui est beaucoup plus excitant à faire, c'est encore plus long. Parce que quand tu as rien d'autre à faire, bon, bah, tu le fais, puis voilà. Hein. Quand c'est une commande et que tu es payé pour le faire. Mais là, un, je suis pas payé pour faire ça. Deux, ça va me servir une fois pour faire une affiche. Et voilà. Et puis on la reverra plus après. Et en plus, je sais plus ce que je voulais dire. Il y avait un troisième, je sais plus. Mais c'est pas très motivant.
Pour moi, les cartes. Les cartes, c'est sur du A5, donc ça me prend. Ça me prend, aller 2, 4, 6 heures peut-être. 6 heures sur une carte. Donc c'est quand même assez gérable. Mais c'est surtout que je me dis que ces cartes-là vont servir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'emmerdes à les bouger. Déjà, tu t'emmerdes pas parce qu'ils sont cool à faire. C'est un peu l'idée quand même. Et puis en plus, tu sais qu'après, ils vont servir, quoi. Les gens vont enjoyer de les utiliser. Le dessin va servir à quelque chose. Là, il va servir une fois. Alors après, c'est moi qui m'inflige le truc, hein. Je suis un peu con. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Ah, je peux bosser. Bon, attends, la chatte veut sortir. On peut pas faire toujours ce qu'on veut. Oh putain, pourquoi? Pourquoi? Cette femme ne sait pas fermer une porte. Ah. Tu vois, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Même travailler sans que le chat vienne t'emmerder, on peut pas. Là, on a un peu plus de lumière de ce côté que de ce côté. Pourquoi? Parce que là où je me situe dans mon atelier, parce qu'on est vraiment dans mon atelier pour le coup, j'ai la porte derrière moi, elle est sur ma droite. Mais les lumières sont pas allumées, c'est pour ça que c'est un peu sombre. Et donc, tu as la grande table qui est en milieu de mon atelier, qu'on voit là. Et c'est là où on fait les ateliers. Et tout autour de l'atelier, en fait, t'as des bureaux avec tout un tas de conneries dessus. Au fond, t'as la sculpture, t'as mes accessoires. Et puis sur le côté ici, t'as là, t'as une grande vitrine où il y a des trucs dedans. Et puis il y a une porte qui va derrière. Et ici, t'as mon coin figurine, peinture figurine, et mon coin maquette. Et derrière moi, sur le dessin, j'ai une grande table à dessin que j'utilise plus trop puisque je dessine ici, avec vous. Et il y a tout un tas de bordel dessus aussi. Enfin, c'est le bordel, quoi. Donc là, on le voit pas trop, mais quand on le connaît, on reconnaît assez bien mon atelier. Je pense que les gens qui sont déjà venus vont reconnaître tout de suite que c'est l'atelier qui est derrière.
En même temps, c'est écrit en haut de l'affiche, l'atelier d'Alan. Donc, je peux pas trop te tromper. Un beau bordel, ouais, ouais. Un bordel comme je les aime. Moi, je suis bien là-bas. Alors, il me faudrait un jaune. Je suis bien, mais pour dessiner, je suis quand même mieux ici. Surtout l'hiver. Parce que là-bas, je chauffe que quand j'ai besoin de chauffer. Donc, c'est vrai que continuer de le chauffer jusqu'à minuit, juste pour dire je dessine là-bas, c'est un peu ridicule. Je préfère travailler là, dans la maison, dans mon petit coin que je me suis fait là, une espèce de petite extension de l'atelier. Au moins comme ça, je suis là s'il y a besoin. C'est le bazar, je peux gueuler. Là-bas, je travaille vraiment quand j'ai des ateliers avec des gens, quoi. S'ils viennent faire du dessin, faire de la sculpture, faire du modèle réduit, là, cette année, je vais essayer de développer le modèle réduit. C'est pour ça que je vais proposer des stages pendant les vacances. Petite nouveauté. Mieux vaut un bordel organisé qu'une organisation en bordel. J'aime bien ça. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce que je mettrais pas un petit peu de rose là-dedans ? Voyons voir ce que ça donne. Pourquoi du rose ? Continuer un peu sur ce ton sépia, enfin sur ce ton marron un peu. Donc je tente des trucs en fait, hein, c'est tout. Je balance des couleurs, voir ce que ça donne. Voir ce qui m'inspire. De toute façon, tout ce que je vais balancer va casser encore le grain du papier, donc c'est très bien. Là, je visualise assez bien le fond de l'atelier, c'est très bien. Et c'est beaucoup moins triste, du coup, que cœur noir. Alors, pourquoi il y a une sorcière, là ? Puisque vous me posez la question, je vous le dis. J'ai une sorcière dans mon atelier, dans le coin, là-bas. Et c'est la sorcière que j'ai sculptée pour mettre à la fenêtre à Halloween. Elle est à la fenêtre de la cuisine tous les ans. Mais le reste de l'année, elle est dans un coin comme ça et elle a la tête tournée vers la porte d'entrée. C'est elle qui surveille. Les mauvais esprits. C'est pour ça que les cons ne reviennent pas. Normalement, avec une sorcière qui surveille l'entrée d'une maison, on en a une petite qui vole sur son balai, qui est planquée dans le coin du couloir de la maison. Et en fait, elle regarde l'entrée. Quand tu as une petite sorcière comme ça qui surveille l'entrée de ta maison, en fait, les esprits malveillants des gens, les gens qui ont un esprit malveillant, ils vont être repérés assez vite
Et en fait, ils vont pas se sentir à l'aise ici, en fait. Et ils vont pas avoir envie de revenir. Ouais. J'en sais rien, je pense. C'est peut-être breton, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a acheté cette petite sorcière qu'on a à la maison sur un truc breton. Et c'est le mec qui nous expliquait un peu ça, mais je sais pas d'où ça vient cette. Alors est-ce qu'il a inventé toute l'histoire juste pour nous vendre ces petites sorcières? Je sais pas, mais je pense que c'est plutôt un vieux folklore, ouais. Et je serais pas étonné que ce soit breton. Après, c'est toujours pareil, hein. Ce genre d'objet a plus de pouvoir si tu crois en eux. C'est des égrégores après. Si tu la mets là juste pour la déco, elle aura un peu moins de pouvoir en réserve que si tout le monde est convaincu de son utilité. Une intention, c'est une, ouais, bah comme tout, hein. De toute façon, c'est comme toutes les choses qui portent bonheur, etc. Plus tu leur donnes du pouvoir et plus ils vont fonctionner. Les cartésiens te diront que c'est un placebo, etc. Mais c'est quoi un placebo? Ah, c'est quoi un placebo? C'est quand même bien quelque chose qui te donne assez de force à ton esprit, à ton corps, de se réparer tout seul. Parce que le corps a quand même une grosse force de réparation. Exactement. Exactement. Les gens n'ont pas conscience que tu peux quand même te guérir de beaucoup de choses. Des choses un peu graves. Que tu peux ralentir, etc., faire en sorte que ça s'aggrave pas. Mais faut en être convaincu. Il y a des choses, bon, t'as des choses, voilà, là, ton corps il est parti en couille, il est en train de se faire bouffer par un cancer par tous les bouts. Ça va être compliqué pour toi, mais je parle de des choses plus gérables. C'est beau, c'est un groupe de musiciens. Ouais, bah voilà, exactement. Tu sais, il y a 6 ans, on me disait que je n'allais pas passer 3 mois. Ben voilà. Chier.
C'est clair que l'esprit fait beaucoup de choses. Hein. Si t'en as pas marre de la vie et que tu veux continuer à avancer, il n'y a pas de raison que... Après, c'est quand la maladie te fatigue au point que t'en as ras-le-bol. Là, c'est compliqué parce que si mentalement, déjà, t'en as marre, bah, y a des grandes chances que ça s'aggrave à une vitesse un peu plus rapide. Mais si tu t'accroches à la vie et que tu es convaincu que ça va le faire, bah, cette couleur rose est pas trop mal. Je vais pas faire que rose parce que... Mais ouais. Ça égaye un peu le fond. On va rajouter du jaune avec, de toute façon. Ça marche pas très bien, c'est celui que j'avais tout à l'heure, ça. Aussi bien en positif qu'en négatif par rapport à... Parce que attends, je dis tellement de conneries que je sais même plus où j'en suis. Être convaincu que les choses puissent arriver si la personne est négative ou positive. Ah bah en fait le truc c'est que quand tu comprends comment fonctionne la loi d'attraction. La loi d'attraction, il n'y a pas d'histoire de positif ou négatif. Il y a les choses auxquelles tu penses. Il n'y a pas de négativité ou positivité dans la loi d'attraction. C'est juste c'est quoi qui t'attire à toi en fait. Si tu dis, c'est ce que je donnais comme exemple l'autre jour, si tu dis, je veux plus avoir mal au dos, mais quand tu dis ça, tu penses à quoi? À ton mal au dos. Donc c'est le mal au dos que tu vas projeter, tu vois ce que je veux dire? Là c'est un peu débile parce que c'est pas vraiment un truc que tu peux attirer à toi, mais machin, mais voilà, je suis contre la guerre. Je veux plus qu'il y ait la guerre. Vas-y, à quoi t'es en train de penser là mon gars? T'es en train de penser à la guerre. Donc t'es en train d'alimenter les grégores de la guerre. Vas-y, continue, balancez de l'énergie dedans, c'est bien. Non, il faut complètement changer sa façon de penser. Il faut être pour la paix, par exemple. Là, d'accord, très bien. Là, t'alimentes le bon égrégore, tu balances les énergies dans le bon sens. Mais c'est toute une rééducation de pensée, en fait. Donc, quand tu utilises la loi d'attraction pour des trucs, voilà, faut juste faire attention comment tu formules les choses dans ta tête, quoi, c'est tout.
Donc si tu penses à des choses négatives, tu vas attirer des choses négatives aussi. Le piège, c'est, putain, qu'est-ce que je passe comme journée de merde. Tu sais, là c'est ta journée, c'est une journée de merde, il arrive que des merdes. Vas-y, continue, vas-y, balance. C'est la loi d'attraction, mon gars, vas-y, balance de la merde. Et attends qu'il y ait autre chose qui se passe, hein, vas-y. Oh, mais de toute façon, c'est une journée de merde, donc il arrive que des merdes aujourd'hui. Bah oui, vas-y, continue. Bon, après, c'est horrible parce que bon, il y a le savoir, mais il y a aussi le mettre en application qui est pas évident parce que bon, quand tu es fatigué ou quand tu en as un peu marre de certaines choses, c'est pas évident de. C'est pour ça que quand tu as besoin. C'est bien d'avoir ce petit carnet qu'on parlait il n'y a pas si longtemps que ça, où tu notes toutes ces choses qui te mettent dans un bon état d'esprit et qui te permet de voilà, tu te lèves le matin, voilà, il faut déjà projeter des bonnes choses, donc écrire dedans toutes ces choses qui te mettent dans un bon mood. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand tu es déjà dans un bon mood. Quand tu es dans une mauvaise passe, c'est difficile de mettre ça en application parce que tu as ces pensées un peu négatives qui te submergent un peu tout le temps. Donc pour s'accrocher à des trucs positifs quand tu es dans une période de merde. Mais c'est horrible parce que tu te sabotes toi-même quand même, quoi. Parce que bon, d'accord, il y a ce truc-là qui était chiant, qui t'a mis dedans. Mais c'est possible que tout le reste, tu t'es mis dedans tout seul, quoi. Après, c'est moins évident quand c'est des problèmes de maladie, etc. Parce que là, c'est ton corps qui... Mais bon, il y a quand même pas mal de choses que ton corps essaye de gérer comme il peut parce que une certaine façon de vivre, passer une certaine façon de penser pendant des années... qui résulte en des trucs qui t'arrivent, quoi. Façon de te tenir, te comporter. Donc il n'y a pas que non plus la pensée hein, qui est là. Hein. C'est des choses... Des choses où on sait comment faire pour que ça change, mais que tu veux pas changer parce que, flemme ou parce que... Comme moi d'ailleurs, moi c'est flemme, hein. J'ai plein de petites choses où je sais que si je le ferais comme ça, j'aurais moins mal au dos. Si je ferais un peu d'exercice pour muscler mes reins, j'aurais moins mal. Si je faisais un peu plus d'exercice de respiration, j'aurais pu mes bouées et mon vide. Mais voilà, là c'est une période de flemme, une période où j'ai envie de faire autre chose que de m'emmerder à faire ça. Donc je me demande pas pourquoi, hein, je sais déjà. Ok, alors... Pas mal, on est pas mal. C'est un peu moins chiant à faire là-haut parce qu'il se passe des trucs, quoi. On pourrait aussi avoir un chapeau... ça aussi.
À ce propos, j'ai pensé à toi en regardant le triathlon femme hier avant-hier. Ah bon? D'accord. Tu regardes le triathlon femme et tu penses à moi, c'est bien. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Bon, j'ai vu que les, au niveau de l'escrime, on a fait des bons résultats cette année là. Parce que j'ai partagé ça sur notre groupe des Bretteurs Ostren. Elle ne pensait jamais finir dans les premiers et elle a gagné haut la main. Ah! Et c'est quoi le rapport avec moi? C'est quoi le rapport avec moi? Parce que tu as pensé à moi en regardant le triathlon, donc. Ouais, tu veux dire que dans sa tête elle allait gagner et donc elle a gagné. Que t'es un malade? Oui, ça c'est possible que ça soit ça. Que parfois tu doutes des choses par rapport aux lois, que parfois tu doutes mais que tu arrives quand même. Ah oui, d'accord. Bah, je doute pas vraiment hein, que ça va marcher ou quoi que ce soit, c'est juste. Pour l'instant, mentalement, je suis pas prêt à me mettre dans tout ce bordel. Attends, mais il faudrait qu'il y ait un bout de château aussi là qui traîne quelque part. Pas ne pas faire un bout de château qui traîne quelque part. Regarde, pour tu y croyais fermement. Il n'y a rien eu. Oui. Comme quoi. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il l'a pas eu de toute façon. C'est pour ça. Mais on n'est pas à l'abri qu'il tombe dessus un jour. Quand ce sera le moment. Je pense que c'était pas le moment. Je pense qu'il y avait des choses qui faisaient que si ça se serait fait maintenant, ça n'aurait pas été possible. Moi, j'ai pas perdu espoir en la loi d'attraction là-dessus. Je pense que si ça s'est pas fait, c'est que c'était pas le moment. Et je pense que ça se fera peut-être plus tard. Le piège, c'est de du coup laisser tomber ce truc-là mentalement
et de plus y croire parce que là, ça s'est pas fait. C'est pas vrai. Je pense que ça s'est pas fait pour une bonne raison. Et qu'on n'est pas à l'abri que ça se fasse plus tard. Pour autre chose. Ou parce que peut-être que mes illustrations n'étaient pas encore, tu vois. Je pense qu'un de ces quatre, il va tomber dessus, parce que je suis persuadé qu'il l'a pas eu. Sinon, il m'aurait envoyé un petit message de remerciement, je pense, quand même. C'est pas le genre de recevoir un truc comme ça et de rien faire du tout, parce que on parle de quelqu'un qui est assez sensible à la créativité, etc. Donc, en plus, j'avais envoyé un petit dessin original pour qu'il voie un peu ce que ça donne. Donc je suis persuadé qu'il l'a pas eu. Et je suis quasiment persuadé qu'un de ces quatre, il va tomber dessus. Il va sûrement dire what the fuck. Salut Clarissaël, j'ai vu ton MP Discord, on en discute samedi si tu veux. Ok, ça roule. Ah ah, da 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 da, coucou, ça va ? Samedi, je vais peut-être pouvoir... je vais peut-être pouvoir venir à 10h10. Le truc... à 10h. Le problème, c'est que vendredi soir, donc ce soir, je fais le spectacle de Bon Repos. Je vais rentrer, il va être 1h30, 2h du mat. Je vais me coucher, il va être 2h30, un truc comme ça. Le temps que je rentre, que je me dessape, que je prenne une douche et que je me couche, il va être 2h. Donc, demain matin, je pense que je vais dormir. Parce que j'avais réussi à négocier... pour venir le matin, et c'est ma femme elle-même qui m'a dit, mais tu vas pas dormir samedi matin parce que tu fais Bon Repos le soir. Et j'ai fait, ah ouais, c'est possible. Donc ouais, non, je pense que je vais rester sur ce qui était prévu, c'est-à-dire que je vienne l'après-midi. Pardon, je ne suis pas sûr d'être là pour midi. L'infirmière doit passer. Elle papote toujours beaucoup. Bah t'inquiète. Je vais gérer la fin du stream, t'inquiète. Donc ouais, j'ai toujours prévu de venir demain, mais ouais, comme j'avais prévu de le faire, c'est-à-dire en début d'après-midi, quoi. J'ai un joueur de Blood Bowl à terminer et puis un autre qui je voudrais commencer. Donc je vais venir avec tout mon bordel. Après je dis pas que je vais peindre tout l'après-midi parce que j'ai bien l'intention de vous regarder jouer aussi. Parce que c'est un peu l'idée de la journée quand même. Découvrir un peu Old World. Warhammer Battle, quoi. Parce qu'on est d'accord que c'est Warhammer Battle. Ils ont annulé avec l'orage début de semaine. Repose-toi au minimum. Oui. Bah, je suis au courant qu'ils ont annulé. Je peux te dire que mercredi soir, j'étais pas très content. Moi, j'étais sur les starting blocks. Hein. Et on a eu des retours comme quoi c'était inondé, etc. Ça me faisait penser que je dois avancer mes orques. De quoi ? TOW, c'est quoi ça, TOW ? Ah, The Old World, pardon. Waouh, Alan. Waouh ! Je m'épate moi-même. Bah moi je commence à avoir une armée qui se build up, mais comme j'avais prévu de les jouer pour Maître Guerrier, ce qui était le wargame de Sébastien, bah ils sont montés sur des socles ronds parce que dans Maître Guerrier on avance un peu comme dans 40 000, tu vois. Ou voire même le Seigneur des Anneaux, je me demande si c'est pas la même façon de se déplacer.
Oui, Age of Sigmar. Donc, j'imagine que Old World, on est de retour sur des socles carrés en régiment, etc. Et puis que c'est le bordel pour se déplacer. Donc, j'imagine qu'il va falloir que j'ai des templates. Si je veux les jouer, il va falloir que je me fasse des templates où je puisse les coincer dedans et pour pouvoir les avancer en unité. Ça me paraît chiant. Pourquoi ils... Pourquoi ils ont pas fait comme Age of Sigmar? Ça m'a l'air plus simple pour se déplacer quand même. Hein. J'aime la bataille rangée avec le goût de gros pack. Ok. Après, je sais que dans le Libère des batailles, qui est le wargame de Seb, hein, dans le Maître Guerrier, il y a l'option... De se battre en ordre serré avec toutes les, tous les avantages que ça implique. Hein. C'est-à-dire que là, tu as plus un gars qui tape, tu as 20 gars qui tapent. Mais. Ça me paraît chiant. Surtout quand il faut commencer à tourner ou quand tu as un obstacle. Après, c'est vrai que. L'idée de balancer un saut de dés me paraissait assez fastidieux quand j'en ai entendu parler. Parce que n'ayant jamais joué, j'ai pas trop expérimenté le truc. Mais après être venu samedi dernier regarder jouer à 40 000, à carré là, je me suis rendu compte que ça a un petit peu un côté satisfaisant quand même. Parce que ça représente quand même ta force de frappe. Quand t'as 20 dés qui est lancé sur la table et que bah, t'enlèves que ceux qui sont pas bons et qu'il t'en reste quand même une dizaine sur la table, bah, visuellement, ça a quand même un impact. Effectivement, j'avoue. J'avoue, ouais. C'est quand même assez plaisant. J'imagine que t'as ton unité d'archer... T'as 20 archers, tu balances 20 dés, ça... Bon, après, c'est vrai que c'est... Alors, je sais pas si c'est toujours pareil pour Old World, mais... Ça, c'est un souvenir que j'ai de Warhammer Battle, c'est... T'as 20 archers, tu balances 20 dés. Sur ces 20 dés, il faut regarder lesquels... Hein. Les flèches qui sont parties. Sur ces flèches qui sont parties, il faut regarder lesquelles atterrissent... Là-bas, lesquels ont touché le sol ou lesquels ont touché un gars. Et puis sur les gars, les flèches qui ont touché un gars, il faut retirer les dés pour savoir lesquels ont tapé sur le bouclier ou ont tapé dans un coin sensible. Et après, tu prends que celles qui ont tapé dans un coin sensible et tu regardes si c'est une douloureuse ou tu vois. Ça a l'air fastidieux. Alors peut-être que sur le système des archers, à SDA aussi c'est sympa. Alors attends, SDA. J'ai de touche, j'ai de blessé, j'ai d'armure. Ouais, c'est ça. Hein. Donc on reste sur le même fonctionnement. Parlez-moi en nom entier, Seigneur des Anneaux, merci. Comme je disais, je suis pas joueur, donc je n'ai pas trop l'habitude des abréviations.
Je commence à avoir l'habitude de... AOS là. Même si je préfère Age of Sigmar, c'est quand même plus... plus clair. Mais c'est plus long à écrire, j'avoue. J'aime bien cette ligne d'horizon là. Ça c'est ce qui fait que ça relève un peu l'intérêt du truc là, j'avoue. Donc là on peut tirer un truc comme ça avec des harpons ici. Pas très fort en abréviation parce que de mon côté je suis feignant pour écrire et d'habitude l'habitude entre joueurs mais moi ouais c'est vrai que tout le monde part du principe que je joue alors que pas du tout en fait moi je dessine je peins je construis et c'est pour ça que là je suis assez excité à l'idée de commencer à commencer gentiment le jeu de figurines avec Blood Bowl qui me paraît pour l'instant à ce que j'ai lu assez fun déjà dans l'état d'esprit du truc et puis voilà je suis coach d'une équipe de 11 c'est quand même plus gérable et puis là je suis en train de les peindre donc je suis en train de faire connaissance avec mes joueurs ils sont en train de voilà il y a des caractères qui est en train de se développer. Je sais que t'as des maniaques, t'as des casse-couilles, t'as des... voilà, je commence à... Au fur et à mesure que tu les peins, tu commences à les connaître. Moi, j'ai ce coco-là qui est quand même mon préféré. Attends, hop là, je te fais un plan plus net, peut-être, parce que là, la caméra, elle fait pas ça automatiquement, cette conne. En même temps, je lui demande de pas le faire automatiquement, c'est pour ça. Donc, celui-là, je suis assez fan. Je suis assez fan parce que, pour une raison assez particulière, parce que voilà quoi, c'est tout à fait l'état d'esprit que j'aime pour mon équipe de Blood Bowl. Voilà. En plus, il est pas mal armuré, donc je sens qu'on va bien s'amuser. Je sens que les premières parties vont être catastrophiques. Mais pour pouvoir build up une stratégie, il va falloir que ce soit catastrophique. Donc dès que j'aurai mon armée de, enfin mon armée, mon équipe de prêtres, je pense que je me rapprocherai un peu plus du club. Je vais sûrement claquer l'adhésion aussi pour être un peu plus dans les clous et. Et dès qu'on a l'occasion, faire des parties, quoi. J'ai bien l'intention que mon équipe se développe. Joli fessier, n'est-ce pas? Je trouve aussi. Comme disait, c'était qui était là hier? Celui-là, il fait des squats. Je sais plus qui était là qui m'a dit ça. Aïe, oh putain. Ok, donc, on va mettre... Comment je vais gérer ce coin? Normalement, ce coin-là, c'est par... Il faudrait que ça reparte un peu comme ça aussi. Ce serait bien, ouais. Avec...
mon four qui est là. J'ai un petit four pour cuire mes sculptures en... pâte polymère là. On peut le foutre là, le four. Là il y a la bouilloire qui est pas loin. On va mettre des conneries ici, de toute façon on s'en fout. On va mettre un cadre là. Sur la table Gasland ce matin pour le motoculteur. C'est quoi Gasland? C'est un jeu encore? Alors là-dessous aussi il y a des conneries, on va mettre des cartons. Là, il y a un sacré bordel là-dessous parce que c'est tout mon papier mâché, tous mes boîtes d'œufs. Le nom de l'event me dit quelque chose. Le motoculteur, ouais, c'est un truc qui se passe côté de chez nous. Je sais pas trop ce qui s'y fait là-bas. Il se passe quoi exactement au motoculteur? Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur moi quand même, c'est que je suis très casanier. Tout mon temps, je le passe à dessiner ou faire des trucs dans la maison. Donc je suis très... comment dire, je m'intéresse plus ou moins à ce qui se passe à l'extérieur de mon cercle. Festival de métal sur carré, voilà, c'est ça, c'est du métal. C'est le Hellfest, Brest Hellfest. Et donc il y a une tente avec du jeu alors? Rien à voir avec un rassemblement de C15 alors. Non, ouais, non, c'est pas le motoculteur comme je l'imaginais aussi. Ouais. Oui, pour les bénévoles. Ah d'accord, c'est pour les bénévoles.
Ouais, donc l'année prochaine, je vais mettre l'accent. Ça fait plusieurs années que je veux, mais là, j'ai passé la deuxième. Parce que j'étais qu'en première. Un peu feignasse, donc toujours en première. Je vais passer la deuxième sur le modèle réduit, miniature, tout ça, parce que c'est un truc que j'ai envie de développer depuis un certain temps et j'en fais pas assez. Ça me gave. Alors qu'il y a un très gros potentiel derrière. Mais comme la figurine, quoi, il faut que je le travaille plus pour que le potentiel se développe. Et pour le travailler plus, eh ben, il faut que ça soit une activité de l'atelier, parce que sinon j'ai pas le temps. Et donc j'ai envie de développer un peu cette activité-là avec les gens. Donc là, je l'ai proposé en stage de vacances scolaires, mais de toute façon, il est proposé de base le vendredi soir pour les adultes. Donc ouais, cette année je vais en parler un peu plus. Et en espérant que ça se développe un peu et que je me retrouve comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire d'avoir des adultes qui viennent le vendredi bosser sur leur projet et qui profitent un petit peu de l'atelier et du savoir-faire un petit peu que j'ai accumulé toutes ces années pour mettre à bien leur projet et faire en sorte que ça claque un peu plus visuellement, s'ils ont envie que ça claque plus visuellement. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'aimerais bien vraiment développer, quoi. D'ailleurs, des maquettes de bolides de course, genre F1 ou moto de Grand Prix, ça t'intéresserait sur ton Discord? Ah bah, si tu veux montrer des trucs, montre des trucs, hein. Tu sais pas, regarde, j'avais fait un petit dossier figurine. Je vais en faire un maquette aussi, modèle réduit, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien. Alors, le travail d'Alan, non, mais ton art, voilà. Je vais plutôt marquer votre travail, ce serait un peu moins prétentieux. Pardon. Alors, on va rajouter déjà maquette, modèle réduit. À moins qu'il y ait déjà ça, non, il n'y a pas. Hop là. Maquette. Modèle réduit. Ah, il aime pas le V comme ça, d'accord. Bon, je vais juste écrire un modèle réduit en fait. Ça regroupera tout. Donc, si tu vas dans ton art, tu as. Partage ton art, portrait de star, je vais l'enlever de là, ça n'a rien à foutre là en plus. Allez, dégage de là, toi. Supprimer. Voilà, donc tu as partage ton art. Marc, ça aurait pu être dans partage ton art, mais. C'est plus tes dessins. On va changer ça. Alors, je vais marquer tes dessins. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour mettre tes dessins? Modèle réduit, tes figurines. Dessins stylo, croquis, sculpture. Et les travaux en cours. Donc, fais-toi plaisir. Elle est de retour. J'ai même pas réalisé qu'elle était déjà partie. Je savais que l'infirmière devait passer, mais.
Oui, c'est bon, elle est passée, pris les constants, donné des médocs, tout est fait. Ok. Bah, tant mieux. Là, tu vois. T'as pas raté la fin. Et moi, du coup, je m'emmerde un peu moins parce que tu vois, là, cette ligne d'horizon me plaît bien. Il se passe des trucs. Un joyeux bordel. Qui correspond bien à ce qui se passe à l'atelier. C'est chouette, j'aime bien ton bordel rangé. Bordel tout court, je pense que c'est... C'est pas parce qu'ils sont posés les uns à côté des autres qu'ils sont rangés. Hein. Mais c'est vrai que ça fait partie, moi pour moi, hein, ça fait partie du... Ouais, du charme, c'est un peu... C'est un mot un peu grand, mais... Les gens qui viennent, eux, ils voient pas du bordel. Ils voient une maquette de château... des pots à crayons qui ont été sculptés à la main avec des crayons, des masques, des épées, une hache, enfin tu vois, ils voient plein de trucs qu'ils aiment bien poser les uns à côté des autres, c'est ça qu'ils voient, hein. Ils voient pas du bordel. Hein. Donc il y en a un petit peu, mais il n'y a que moi qui le vois. C'est vrai que c'est un petit peu le coin que j'aurais aimé... C'est un peu, en fait, à ma hauteur. À ma hauteur, c'est un petit peu Weta Workshop, quoi, tu vois. C'est Weta Workshop du Cresbrez. C'est le Weta Workshop du... Bon, avec un travail quand même un peu moins qualitatif. Mais y a un petit quelque chose qui se passe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits comme ça dans le Cresbrez. Faut juste que les gens le sachent et qu'ils viennent. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'oriente mes... J'oriente mes dessins et enfin mes affiches, etc. de plus en plus vers ce côté heroic fantasy. Un peu moins vers le dessin classique avec des petits osios et des machins. Mais un peu plus dans le ouais, dans l'heroic fantasy. Parce que ben, on sait ce qu'on dessine de plus en plus à l'atelier. Et en plus, ben, c'est l'atelier transpire de ça, quoi. Donc... Ah ouais, ouais, bah oui. C'est clair. C'est par rapport à quoi le... Je ne pense pas non plus. Parce que je suis toujours à la bourre sur les messages que vous mettez. Ça soit aussi beau. Ah oui, oui. Je crois que tu disais que ça soit. Que je crois que tu disais moi non plus, dans le sens où c'est moins qualitatif que Weta Workshop. Enfin, que ça soit pas aussi qualitatif que Weta Workshop. Oui, je pense pas non plus. Ah oui, d'accord, je suis au courant, mais c'est pas la peine d'insister. C'est ma petite version à moi en fait.
c'est l'endroit où tu peux trouver. Un jour, il y aura peut-être des pièces plus grosses d'ailleurs, mais pour ça, il faudrait que j'ai l'extension de l'atelier à côté. Après, ça va, hein, l'atelier a que 5 ans, donc. Le temps de se développer encore. Eux, c'est l'usine, toi, c'est l'artisanat de terroir. C'est ça, exactement. C'est quoi Weta machin? C'est Weta Workshop. C'est un peu eux qui ont fait. Ils ont explosé avec ça. C'est eux qui ont fait tous les costumes, les armures, les armes, les masques et tous les trucs du Seigneur des Anneaux. Et après, ils ont enchaîné avec Narnia, ils ont enchaîné avec, avec Avatar. Enfin, voilà, tous les gros trucs, ils ont fait World of Warcraft, tous les gros trucs comme ça où il y a besoin de... Voilà, c'est eux qui ont fait ça. Ils sont en Nouvelle-Zélande, j'ai toujours adoré cette boîte, j'adore toujours cette boîte. Parce que ben, là-dedans, ils produisent... c'est l'usine évidemment parce que ils travaillent avec l'industrie du film, donc il faut de la quantité. Mais ça reste quand même vraiment le domaine dans lequel j'adore quoi, le décor, les accessoires, les maquettes. Voilà, c'est exactement l'état d'esprit de mon atelier, mais dans une version. Dans une petite version artisanale du Cresbraise. Et je pense que si les gens comprennent ça, peut-être qu'ils auront un peu plus envie de venir. Enfin, en tout cas, les gens qui sont attirés par ce genre de choses. Déjà, je pense que je vais introduire le truc en mettant en haut, juste au lieu de démarrer par l'atelier d'Alan, j'ai marqué bienvenue dans l'univers fantastique de l'atelier d'Alan. Donc déjà on va introduire rien que dans le titre l'aspect un peu fantastique du... Sans que ça soit non plus... faut pas que ça paraisse... C'est pas fantastique dans le sens où mon travail est fantastique. Ce serait un petit peu... bizarre de le dire moi-même. Mais plus dans le sens fantastique dans le monde. Un monde fantastique quoi. Bah vous avez le droit de le dire, moi ça fait un peu prétentieux. Parce que là après c'est des goûts personnels. Donc moi j'aime beaucoup ce que je fais, donc j'en suis très content et je continue à évoluer tous les jours. Mais je vais pas commencer à dire que mon travail est fantastique. De quoi j'aurais l'air?
Alors, il est où l'orange? Là-bas, il n'y a presque pas de lumière. Il faudra que je te file les 10 balles de Jean-Marc aussi. C'est l'or. Qui est censé vous les filer la dernière fois déjà. L'or de se réveiller. Monseigneur. Il est 8 heures. Bon bah vu ce que j'ai réussi à faire ce matin, je me dis. Est-ce que avec un peu de bol, il y a moins moyen de faire le haut cet après-midi. Parce qu'en vrai, on peut peut-être le faire. Hein. Attends, je recule encore un peu. Ouais, ça va plus vite quand il y a des trucs à dessiner. Après, c'est vrai que ce poids crayon fait un peu petit, du coup, mais bon. Je sais pas trop ce que c'est, donc c'est pas grave. Il faudrait que je l'agrandisse un peu quand même, si je veux que ça soit un vrai pot à crayon. Ok, bon, du coup, c'est un peu flou, non? Ouais, c'est un peu flou. Au revoir, Alan. Du coup, je reviens là-dessus cet après-midi. 14h30 jusqu'à 16h30. Donc on aura encore quelques petites... on aura 2 heures encore pour faire le haut, et continuer le bas et faire le haut. En haut, on a quoi? On a dans un ton plus clair quand même, on a des tableaux, on a le plafond avec les lumières. Et après, il y aura du texte là-dessus de toute façon. Donc, voilà, voilà. Donc... Peut-être plus tard, sinon demain, c'est une bonne phrase. Tac, on va changer de tableau tout de suite, comme ça je peux plus facilement vous parler. Aïe, oh putain, je me suis fait mal au dos. Ah, c'est pas bon de rester assis tout le temps comme ça. Donc, on va aller voir qui c'est qui traîne dans le coin pour aller faire un petit raid.
Clac, clac, clac. Tac, tac, tac. Tic, tic, tic. On va faire un petit coucou aux copains. Bon, on va aller voir le gobelin Madao Joe du brunch au goûter. On est en train de faire un beau décor numérique, mais c'est numérique, mais bon, c'est beau quand même. Allez, zou. On va mettre le petit générique de fin parce que sinon Manu elle est pas contente. Sinon elle l'aura pas dans la tête après, hein. Donc, petit raid à Madao Joe, le gobelin. Moi, je vous dis à plus tard. Merci d'être passé pour me tenir compagnie avec ce boulot un peu chiant et long à faire. Bon appétit, à toute allure. Waouh. Manu Lalouf 2. Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un 2 derrière. Il y a longtemps qu'il y en a un 2. Gros bisous, bon appétit et à tout à l'heure. Et à demain pour ceux qui y passent pas tout à l'heure. Allez, salut.